Liane Folly, Dave Larusso. De nombreuses stars de la chanson ont participé à cette seconde saison de Mask Singer. Pour la finale, trois personnalités restaient à découvrir derrière le costume de robot, de manchot et de dragon. Avant de monter sur scène, CIST un brin nostalgique que le robot a dévoilé quelques indices supplémentaires au jury de l'émission. J'aimerais mettre la compétition entre parenthèses et vous en dire plus sur moi. J'aimerais échanger avec vous. Vous dire que l'une des plus grandes injustices de ma carrière a été réparée par Michel Legrand lui-même. Pourtant ce n'est pas lui la rencontre. Mais pourquoi je vous dis ça, le robot bug. Dire que j'ai échappé au bug de l'an 2000. L'année 2000 a même été tout l'inverse. Parfois, il faut faire reset pour tout recommencer. Au cours de la compétition, Robo a donné de la voix en interprétant des titres tels que September Birds, Wind and Fire, I Will Survive de Gloria Gaynor, ou encore Don't You Worry Boo a Sing de Stevie Wonder. Si ses capacités vocales sont incontestables, CIST dans un second magnéto que Robo a fait part de sa surprise et de sa joie de ne pas encore avoir été éliminé. Il a ainsi expliqué, être encore là en finale. Le robot a l'impression de vivre un rêve, voire un conte. Ça lui rappelle pas mal de souvenirs du coup. Et ça lui donne le sourire. Je parie que chez quasiment tous ceux qui nous regardent, on a déjà fredonné une de mes chansons. Un de mes titres, que je l'aille écrit ou non. Ah oui, le robot écrit aussi. Quand je pense que dès demain, le costume sera tombé. Le robot sera remisé comme à la fin d'une tournée. Le robot sera dans mes souvenirs à côté de l'autre costume qui m'a tant apporté et qui m'a permis de rayonner. Je ne sais pas si je vais gagner ou si CIST un de mes camarades masqués. Je ne convoite rien, je sais que CIST interdit. Daniel Lévy se cachait derrière le robot depuis de nombreuses semaines, le jury était persuadé que Daniel Lévy ou Emmanuel Moire se cachaient derrière le costume du robot. Hier soir, Jarry a ainsi expliqué, il y a une manière d'attaquer certaines notes et la dernière note avec le temps, il y a que Daniel Lévy qui peut le faire, et de toute façon que ce soit Emmanuel Moire ou Daniel Lévy, on vit des trucs incroyables avec les deux. Et en effet, il s'agissait bien de Daniel Lévy, interprète de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements. Démasqué, il a révélé, j'ai adoré. Pour moi c'était un truc dans lequel je me suis aventuré un peu comme ça et puis j'ai trouvé tellement de choses essentielles. Toute l'équipe, les costumes. J'ai pu montrer encore d'autres choses de mon panel. Avant d'ajouter, j'ai essayé de vous induire en erreur, mais Kev m'a fait chaud d'entrée quoi. Ce à quoi l'humoriste a répondu, t'es un immense artiste, tu l'as prouvé une fois de plus dans ces dernières semaines.